Pas d'expulsion locative sur le territoire de Vaux-en-Velin à l'approche de la fin de la trêve hivernale. Le maire de la commune a pris un arrêté anti-expulsion, comme le font déjà depuis plusieurs années ses homologues de Vénissieux et de Givors. À partir du 15 mars, de nombreuses familles en difficulté risquent en effet de se retrouver à la rue. Le maire de Vaux-en-Velin est au micro de Julien Antoine. Il n'y a pas qu'à Vaux-en-Velin que cet arrêté va se faire. D'autres villes, d'autres maires vont utiliser cette forme de résistance. Cela a déjà été fait par le passé. Donc dans le passé, le préfet a toujours saisi le tribunal administratif pour faire casser ces arrêtés, ce qui a toujours été le cas. Mais à chaque fois, les populations des villes concernées, et donc celles de Vaux-en-Velin également, ont pu se mobiliser pour dire non, il faut résister à cette politique inhumaine et à ces décisions donc d'expulsion locale, qui n'aboutissent à aucune solution réelle.